Salut à tous, vous avez la forme, vous allez bien? Bon, bah écoutez, ça faisait un petit moment, hein. J'avais pas mal de trucs à faire, donc ça faisait un petit mois que j'avais pas fait de revue. Donc voilà, hein, je suis navré, mais bon, on a tous une vie à côté de la vape, bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler de matos, on va parler d'une box. Une box de chez Artery, alors sur laquelle je vais pas revenir en détail sur le menu et chipset. Pourquoi? Parce que je vous en ai fait déjà deux de chez eux, notamment celle-ci, la Nugget Pro. Alors, le menu est exactement le même. Donc si vous avez un souci avec le menu, je vous invite à aller voir le menu de la Nugget Pro. Et j'ai également fait la MX80 qui a exactement le même menu. Par contre, c'est un matos que je kiffe vraiment. C'est une double AQ dont personne ne parle. Et je la trouve particulièrement efficace. Je vous fais plus de gros plans. Je laisse ça aux professionnels. Il y en a plein dans la vape. Donc du coup, voilà. Ça se présente comme ceci. Donc comme d'hab, les boîtes cartonnées, aimantées. D'accord. Vous ouvrez, vous faites tout tomber les papiers. Donc ça se présente comme ça. Certificat, machin. Voilà. Un user manual. Alors, qui restera en anglais, bien évidemment. Donc, on va avoir les explications directement là, d'accord. Et on va avoir donc notre câble micro USB-USB, comme d'habitude, et notre box. Voilà pour le packaging. On ne va pas y passer deux semaines, c'est du carton. Alors, cette box-là, la voilà. D'accord. Donc, relativement, je la trouve pas très très grande, vous voyez, bon, le fire, le plus et le moins, classique. Donc là, la partie micro USB qui va nous permettre et la recharge et les mises à jour, parce qu'apparemment, il y en a de prévues. Là, le logo Artery. Ici, des trous de dégazage, voilà, comme quoi on peut faire des box avec des trous de dégazage, donc ce qui est plutôt pas mal. Au niveau du diamètre, elle va faire du 23. En hauteur, elle est à 90. Donc c'est quelque chose, elle est assez large par contre, on va dire qu'elle est sur du 30, ouais, même plus, hein. Elle va faire du 45, 50 à peu près. Mais bon, ça reste quand même compact, vous voyez, ça tient bien dans la main. Donc le pin, comme la plupart des box maintenant, c'est flottant, pas de souci. Donc là on voit encore toujours ces petites rainures au cas où on a un ATO qui est l'air flow par le dessous, toujours bien pensé. Au cul, toutes les inscriptions nécessaires, on va, les trucs chinois, etc. Voilà, donc je la trouve déjà plutôt jolie, plutôt sympa. Je vous prie de m'excuser pour la coupure. Donc voilà, je vous disais, je la trouve compacte, pas énorme, et surtout assez jolie, voilà, assez bien fine. Comment ça se passe à l'intérieur? Alors c'est simple, en fait, vous ouvrez comme ceci, d'accord? Donc vous allez avoir vos aimants ici de façon classique et les aimants de l'autre côté ici également. Vous pouvez constater que là, vous avez une petite rainure, d'accord? En fait, cette petite rainure, elle va venir s'enficher, je ne sais pas si on va le voir, voilà, là-dessus. Là-dessus, ce qui va permettre en fait de faire en sorte que le capot soit parfaitement bien aligné et parfaitement bien maintenu. Donc si vous le remettez, vous pouvez même le prendre côté aimant, même si la box est un peu lourde, ça bouge pas une oreille. Donc ça, c'est plutôt très sympa et plutôt bien fini au final, parce que même cette rainure au milieu n'est pas forcément disgracieuse. Bon, voilà. En tout cas, moi, je l'aime bien. Alors, c'est pas parfait. On n'est pas au dixième de millimètre, hein, pour les énerver du millimètre près. On est bien d'accord. On voit que là, il y a un léger décroché. Mais bon, il faut se lever tôt le matin et avoir ça à faire. En dehors de ça, franchement, c'est nickel. Voilà. La qualité des boutons, ça bouge pas une oreille. Voilà. Plus, moins.
Le Fire. Petite particularité, le Fire est ultra, ultra, ultra sensible. Donc faites attention, parce que la box pèse un peu une fois qu'il y a les accus. On a tendance à la prendre comme ça, et ça va venir faire Fire assez facilement. Il est très réactif. Une fois qu'on en a pris l'habitude, c'est pas un problème, hein. Franchement, c'est pas un souci là-dessus. On va mettre les accus. Donc comme vous pouvez le voir, et je vais vous le montrer, vous avez tout en haut, voyez, le plus et le moins pour mettre le sens de vos accus. Donc, on va enficher nos petites bébêtes. Donc, on met la petite languette. Au fond, toujours un petit peu plus délicat de la mettre. Donc, le moins en haut, comme c'est indiqué. Voilà. Et la deuxième avec donc le plus en haut, comme vous pouvez le voir ici. Voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a fait ça, les accus tiennent. Parce qu'en fait, de ce côté, vous avez une petite partie qui va permettre de les mettre en butée, et ça va être la même chose en bas. Donc vous voyez ce petit décroché en plastique des deux côtés qui permet, voilà, de pousser la queue sans que ça pose problème. Donc vous voyez déjà là, ça bouge pas, ça te ramale pas. On va mettre derrière. Attendez, je vais virer ça déjà. Voilà, ça sera peut-être plus sympa. Voilà, donc une fois qu'on a viré la petite languette, voilà ce que ça donne. Alors là, la box, elle va faire un certain poids du fait des accus. Alors un poids qui paraît gros parce qu'au final, la vide, elle est assez légère. Au niveau de la qualité des aimants par rapport au capot, franchement, voilà. Là, les deux accus, elle est censée être lourde parce qu'elle a la tête lourde. Si vous bougez comme ça, alors bien sûr, si vous y allez comme un malade, je pense que ça part. Mais l'avantage de cette box, c'est qu'il n'y a absolument rien qui bouge. Elle est ultra compacte. Voilà. Donc pour l'allumer, ben voilà, hein, 5 fois Fire. Donc Artery, vous allez voir qu'on va retrouver en fait le même chipset donc qu'il y a sur l'AMX 80, la Nugget Pro, mais également certaines box de chez IH Pro, où on est exactement avec le même chipset, vous voyez, avec les watts, bon bien sûr on peut changer, les ohms, etc., l'affichage de la batterie, et également la température du mode. C'est un chipset qui revient souvent. Après, en dehors de ça, cette petite box, elle va monter à 150 watts. Bon, 150 watts, c'est vraiment, vraiment pour les énerver. Je vais monter un autre dessus. Je vais monter cette bête-là. Un Conqueror Mini. Alors, un Conqueror Mini que j'ai monté en dual Clapton qui est à 0,3. Donc, on va se mettre à 35 watts. Et je vais vous faire voir comment ça va. Alors, je suis en fin d'accu en plus, hein. Vous voyez qu'il ne me reste pas grand-chose. Qu'est-ce qui est plaisant avec cette box? Pourquoi je la kiffe? Tout simplement parce qu'elle envoie directement. Pour moi, j'ai la même sensation. Alors, bien sûr, on n'est pas sur du high-end, hein, mais j'ai la même sensation que j'ai pu avoir sur la Relo. Cette sensation où, voilà, à chaque fois, ça envoie bien correctement. Et quand on bosse sur une box en simple accu, on se rend compte que voilà, il y a une vraie différence, ce qui est normal, bien évidemment. Sur celle-ci, c'est le même cas. Et d'une, elle paraît robuste. Je l'ai tombée pas mal de fois, et surtout la qualité de vape, je la trouve vraiment bonne. Moi qui suis sur tous les gourmands, etc., quelle que soit la taux, j'y prends du plaisir, que ce soit en tank ou que ce soit en dripper. C'est vraiment une box que j'apprécie. Bon, après, vous dire pourquoi, je sais pas, mais en tout cas, celle-là, je la kiffe. C'est la box maison, quoi. C'est la double accu que j'ai toute la journée quand je suis à la maison. Ça envoie nickel. Ça répond tout de suite. Peut-être même un peu trop avec cette histoire de fire. Alors, vous voyez, il est hyper souple, alors que les plus et les moins, alors vous pouvez pas le sentir, mais moi je le sens, sont un petit peu plus rigides. Je pense que c'est voulu. Par contre, voilà, on a tendance à faire ça, et avec le poids de la box, ça va vite faire fire en fait. Donc faut juste se méfier de ça.
Perso, le vernis, je trouve la prise en main, elle est bien cool. Moi, j'aime bien. Il n'y a pas de problème. C'est plutôt agréable. Il y en a qui vont se plaindre des traces de doigts. Sérieux, j'en ai rien à foutre, quoi. Moi, quand j'avais ma clope, je regardais pas s'il y avait des traces de doigts dessus. Donc, pour une box, c'est un petit peu la même. J'en ai rien à secouer. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça tient la route. Le chipset est correct. C'est pas un chipset exceptionnel, mais il est plus que correct. On l'a déjà vu plusieurs fois d'ailleurs, ce chipset. Donc voilà, c'est pour ça que je ne reviens pas dessus, tout simplement. Petit défaut, si je peux lui trouver. Allez, le Fire ultra sensible. Le poids qui est quand même conséquent pour une double AQ par rapport à une. Qu'est-ce que j'ai eu en double AQ? La Trax de chez Jewel. Même par rapport à une Rollo. Alors, elle est plus légère qu'une Rollo. Mais le rapport poids double AQ est quand même relativement élevé. En contrepartie, ça va respirer la robustesse. Je l'ai tombé un paquet de fois parce que vous savez que j'ai deux mains gauches, donc j'éclate tout par terre. Pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt très bien. Voilà, elle reprend vraiment la MX-80, quoi, hein. La seule chose, c'est qu'on lui met un double AQ. Je trouve la finition très très jolie. Elle est, pour moi, je la trouve très bien finie, en tout cas pour une box de cette gamme-là. J'apprécie les trous de dégazage, hein, parce que c'est pas donné avec toutes les box qu'on a actuellement. Si je la recommande, ouais, carrément. Franchement, depuis que je l'ai, elle est tout le temps à la maison. Voilà. C'est seul moment où j'ai pas cette box, c'est quand je suis au taf. Même quand je pars en famille ou à la journée. Je l'emmène parce qu'elle est, elle fonctionne super bien, je la surkiffe. Après, c'est que mon avis, que mon ressenti, encore une fois. Voilà. Mais quand du matériel est bien, enfin voilà, vous avez vu que certaines box comme la Chieftain de chez Wotofo, j'en ai dit pas spécialement du bien. D'ailleurs, ils me font la gueule par rapport à ça. Et j'en ai rien à foutre aussi. Mais là, quand c'est pas mal, franchement, faut le dire. Et moi, je trouve que c'est une petite box compacte, jolie, bien finie. Qui on voit bien. Après, elle aura un petit peu de poids, elle aura, bon, voilà, c'est pas le chipset de l'année, mais bon, c'est vraiment très honorable, très correct, et il y a un vrai plaisir à vaper là-dessus, hein. Voilà, le tout à 35 watts. Donc je ne suis pas non plus un énervé du coin, moi, de toute façon, mais bon, voilà. Voilà pour cette Mix 150 par Arteri. Moi, je la recommande. Franchement, je m'éclate avec. Donc je vous la recommande vivement. Elle est vraiment sympa. Quoi dire de plus? Rien. On va continuer, on va enchaîner, parce que je suis un petit peu à la bourre au niveau de mes revues. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais pas mal pris. Je pense qu'on va rester comme ça. On va éviter les gros plans, je trouve ça fait trop pro, trop machin, je sais pas, j'ai pas envie de me prendre pour ce que je suis pas, je préfère quand c'est plus simple et je trouve que c'est mieux comme ça. Bon, ça m'oblige à lever les bras pour vous faire voir le matériel, mais on s'en fout un petit peu. Ce qui compte, voilà, c'est que je vous donne mon ressenti. Ouais, à titre informatif, je l'ai depuis 2 mois, mais je la lâche pas, quoi. Je la lâche pas, c'est un truc de dingue. Donc voilà, et puis on va rester sur ce format, quelque chose de plus simple, plus humble. Je pense que c'est mieux, en tout cas, surtout vu la tronche de la vape actuellement. Voilà, je vous remercie. Une fois de plus, de me suivre. Il y en a qui me suivent sur la page Facebook aussi, c'est super gentil à vous. Je me fais très discret, franchement, j'ai plus de vape sur mon mur, mis à part la page de ma chaîne, parce que j'en ai marre, tout simplement. Enfin voilà, faut y arriver un moment, il faut prendre des décisions. Quand on voit que ça fait n'importe quoi, bah du coup, moi je reste en dehors de ça, je m'en fous, quoi. Donc c'est aussi bien. Mais je suis toujours disponible par MP. Que ce soit sur le Facebook, je suis disponible par message également sur la chaîne. En fait, le temps que je vais consacrer à la vape, ça va être juste de faire des revues et juste de répondre à mes abonnés en privé ou sur la chaîne. Le reste, vous me verrez plus. Voilà, je vous embrasse, je vous kiffe tous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao!